Ah ok, il me conseille de l'acheter. Bah pour le coup, ah oui, il faut que j'aille là-bas. Le conseil du PNJ, je croyais que c'était juste achète les manuels, tu vois. Ah merde, mais ça je me rappelle, je l'avais fait avec. Merde. Faut que j'aille là-bas. On va essayer de descendre par là. Ah, je peux continuer après le camp, ok. Compris. Cher là. Ça va. Hello Kenny, c'est une découverte du jeu hors Speedrun Zealand il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je savais pas qu'on pouvait continuer. Ouais, voilà. Je continue du coup. On a un site de grâce ici. Je vois les petites lumières. On a un PNJ. Yippee. Finalement, il y a un petit logiciel à lancer pour débloquer les FPS. You're new around here. Ça va très bien. Attends, mais c'est Calais 2. You found me in my little nook. No matter, no matter. Your money's as good as anyone else's. Why don't you take a look at my... Oh, but don't ask me how I... Ouais. Ouais, classique, hein. Ok, donc il y a le manuel de guerrier nomade 11. Ok. Pour 1500 balles. Je devrais peut-être lui vendre des armes que j'utilise pas. Hein. Des gants d'astrologue. Ouais, tu vois les webs comme ça là, je peux les vendre pour 100 runes, ça pue sa mère. Putain, ça se vend que dalle les armes. Hein. J'ai de l'argent. Ça, ça peut me servir en vrai. J'ai juste envie d'acheter le manuel. Que ça m'a rajouté fois améliore temporairement la résistance aux dégâts magiques, améliore temporairement la robustesse, robustesse pareil, pierre d'éclat du coup consomme des PC pour créer un projectile magique. Ah ouais, merci Fazwick. Oh putain, la lanterne broken. Merci Fazwick, merci Fujus, merci les gars pour les subs. Ok, donc là il y a une espèce de marécage. Il y a des mobs bizarres qui me go. Oh, mais attends, c'est la carte ça. Wesh! Et voilà. Et là maintenant on y voit quelque chose. Magnifique. Splendide. Magnifique. Ouais, pour le coup ça m'aide pas trop quand même. Hein. Bon. Oh, c'est quoi ça? Wesh, 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 wesh. L'enfer. Pourquoi y'a un site de grâce déjà là?
Il y a déjà un site de grâce. Montée de niveau à 6000 balles. Ah. C'est mérité si on me demande. Ok, par là. Allez, on y va. On suit la lumière. Tout droit vers la lumière. On passe des choses ici. Oh, c'est quoi ça? Bah tiens, c'est le même mob qu'au début. Wesh. Oh! Mais attends, on a one tap là. Et B? En plus, c'est même pas un boss, hein. C'est juste un mob comme ça, dans l'open. Vas-y, hein, je vais aller chercher mes runes. Hein. Je pense qu'il faut d'abord que je tue ceux-là. Elles sont où, mes runes? Oh sa mère. Oh sa mère, je vais être empoisonné. Mais il m'a explosé ma mère! La dinguerie qu'il m'a mis! J'ai pas ramassé les runes, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un item là. Ah bah tiens. Manuel d'artisan des proutes d'éclat. On va les tuer un à un, je pense. Hein. Ouais, abuse. Eh bien. Oh, bonheur là. Ça fait mal les attaques sautées, putain. Merde. J'oublie tout le temps comment ça va. Il tire. Oh, je suis tombé dans sa cape. Mais pourquoi il tire? Mais. Il faut pas appuyer trop tôt. Ah, j'ai plus. Ah ouais, ça stagger de fou en plus les attaques sautées.
Ok, on a bien clear. Magnifique. On range ça. On met ça bien à deux mains. Fef. Ouah, il a été stagger une demi-seconde. Wesh. Wesh. Ouais. Muguet fantomatique. Il m'a donné du muguet fantomatique. Du muguet fantomatique. Oh, j'ai spammé ouais, j'ai spammé les rôles comme un idiot et je suis pas prêt. Oh. Oh. Je me rappelle qu'il fallait sauter dans l'open là, dans le run, mais je sais plus du tout. Mais... Oh putain, c'est ça. Oh ouais, d'accord, c'est comme ça qu'on va au bastion en fait. Je savais pas. Ok, donc là il y a plein de mobs, on va aller là. Regardez, parce que c'est vrai que j'avais pas exploré là, du coup moi je connais pas du tout. Il y en a des choses partout là. Donc là j'arrive dans le dos. Ah ouais, mais attends, mais ça m'a fait un jump en avant de fou là. On les a démontés, on les a démontés, c'est excellent. J'aimerais bien pouvoir utiliser leur truc là. Attends, je vais juste clear ça. C'est quoi cette merde? Ma vie. J'ai plus de potions. Ok. Nice, putain, ça tue tous les mobs là, ça enchaîne. Le problème c'est que là j'ai plus de potions, donc ça peut terminer ma vie instantanément là. Putain, cette fontaine me rappelle un mob dans Elden Ring qui m'avait tétanisé. Autour d'une fameuse fontaine comme ça. On peut pas aller là-dedans, ok. Pas dans Elden Ring, dans Bloodborne, pardon. C'est ça que je voulais dire.
Elden Ring, j'ai jamais fait quoi. Donc, je suis en train de le faire quoi, globalement. Pourquoi j'ai des potions? Wesh. C'est ça les pierres éclats? Tonique du coucou. 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 Hop 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 hop, non, équipement. Attends, mais elle est mieux en tout là, comment c'est possible? Comment c'est possible que ce soit mieux en tout? Ces trucs de soldats de Godric. Bon, en fait, je préférais mes trucs d'immunité là. Hein. On regarde la charge. Ça change mon moveset, c'est ça? Wouah! Oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Ouais, non, sans façon. Ok. Sans façon. Les roulades de merde, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était le message. Ok, bah le mob était pas très dur à tuer ici. Et je suis bloqué devant le seau là-bas. Il y a deux petites églises. En tout cas, ce qui ressemble à des églises. Des chapelles, du moins. Bah tiens. C'est un boss hein. C'est qui lui? C'est pas un méchant, d'accord. C'est un gentil. Bonjour. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Chelou. Oh, bless you. Mikaela's favor can be yours. Slaughter. 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 The all-hearing slaughtered. But alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. J'aime trop les dialogues. J'aime trop les dialogues de ce jeu. Putain, qu'est-ce que c'est stylé. Ils sont très... Oh, attends. C'est une graine d'oreille, ça, là-bas. Ok, j'ai un plan. Un monde où j'arrive à remonter. Hein. Il y a peu de chance, mais il faut y croire. Ok. Peut-être bon, la graine dorée, je l'ai eu du coup. Mais il m'en faut deux de toute façon pour avoir une dose en plus. Une dose! Donnez-moi une dose, mon monseigneur, s'il vous plaît! Vous n'avez pas une dose! Une petite dose!
Au pire, j'y retournerai. C'est pas un boss. Ça marche. Ce qui s'est passé, mais du coup je l'ai tué. Deux pierres de forge 2, donc c'est des tiers 2 je suppose. Et là on peut remonter, ok, c'est bien ce que je pensais. Je vais me reposer ici, j'ai fait un peu le tour à côté, on a pu voir, j'ai que 4000 malheureusement. Et effectivement, si je veux ajouter une dose, il m'en faut deux des graines, j'en ai qu'une seule, ok. Alors, je sais plus exactement comment on fait. J'aimerais bien le tuer lui. Oh merde, j'ai sauté trop tôt. FF, mort. Okay, c'est pas grave, ça se récupère. Par contre, faut pas que je rate mon deuxième saut, sinon je perds 4000. Voilà, faut le savoir. Je vais essayer de le faire sans mourir du coup cette fois. Pas grave. Ouais, c'est là qu'il faut sauter plutôt. Oh non, c'était là-haut. Bon, c'est pas grave. Aïe. Ouais, pareil, c'est pas un boss. On a des HP. Il a les HP d'un boss quoi. Mais roll. Oh, le moustique il va me tuer. Trop dur. Trop dur, je reviendrai quand j'aurai plus de dégâts je pense. Ah merde, j'ai pas mis la mort effectivement. On va se balader par là. Moi si je reste là.
Ouais, ok. Je suis empoisonné. C'est un enfer. Ouais, ça donne rien en plus, vas-y, je me pète. Par contre, ma vie, ça casse les couilles là. Ouah, trop stylé lui. C'est un méchant, je regarde. Quoi, le skin de ce mob? Ok. Ouais, bizarre. Bizarre l'ambiance par ici. Bon, je me souviens d'un truc. Faut que je le fasse parce que sinon je vais pas faire semblant. Pendant le run Zilan, on faisait quelque chose là-bas. Et en fait, je me rappelle vaguement de ce que c'est, mais je sais pas ce que ça fait. Mais faut que j'y aille parce que sinon ça va être chiant. Pas faire semblant de pas connaître. Je me souviens qu'on passait ici. Quand t'arrives au max, c'est trop la merde. Ça déjà, je savais pas. Me buff, je sais pas. C'est quoi ça? Examiner. Oh, clé de lame de pierre. Attends, c'est pas ça que je voulais faire à la base, mais. Lumière nécessaire droit devant. Merde, j'ai toujours pas acheté d'ailleurs la. Ok, parfait, j'ai un site de grâce. Je vais en profiter. Je vais en profiter, j'ai que 335. Merde, j'ai plus de... Fuck. Ouais, faut absolument de la lumière. Ok, bon, pas grave. Je suis où, là? Je suis là, ok. Oh putain, comment je remonte? Oh. Ok, c'était par là, je crois. Je sais plus. Ah, c'est peut-être au cœur collé à la montagne? Je sais plus où c'est. Où est-ce que je devais aller? Mais il y a un endroit où je dois aller. Par là. En fait, on courait dans tous les sens. Pour aller à un endroit particulier. Mais elle est gigantesque la map. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des écrevisses géantes. Des langoustes. Clap, 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 clap. Pierre de forge encore. Ok. Ben je sais plus ce que je devais faire les gars. J'ai oublié. Voilà. J'ai fait ce que je me rappelais, maintenant je me rappelle plus de ce que je devais faire. Je me rappelle plus du tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Oh non. Mais je sais plus, les gars. Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Bon bah avant j'avais encore une vague idée d'où est-ce que je devais aller. Au pire, c'est pas une Run Island. Non, mais je voulais pas faire semblant de pas connaître des trucs. Et tu sais, faire le mec en mode « Oh tiens, il y a ça là et tout. Oh bah si j'essayais d'aller par là, tu vois ce que je veux dire. » Putain, toutes les runes... Wesh. Wesh. La folie. Je suis riche, là. La dingue. Ok, bon, pas grave. Attends, mais je suis méga riche, là, je peux acheter... là, en gros, ce que je peux faire, c'est dès que je peux open la map, je vais acheter tout de suite la lanterne, et comme ça, on peut y aller. Parfait. Et la lanterne... On peut l'acheter où? C'était là? Je crois que c'était là... Et effectivement, sur les rives du lac, il y avait un petit vendeur qui est juste là, à qui je peux acheter la lanterne. Avec toutes mes runes dorées, je peux grave lui acheter. Ça coûte 1800 si je dis pas de bêtises. Ouais, 1800 la lanterne. On peut vendre une à 1600, une à 200. Acheter, lanterne, oui. Boum. Et là maintenant... ici, peut-être qu'il faut que je l'équipe. Comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on peut aller jouer là-bas. Dans la grotte cristalline de l'académie. C'est bon. On peut y aller. Parfait. Là, c'est bon, on y voit quelque chose. Et c'était par là, il me semble. Oh, les ratus. La créature. Dans le doute, je les fume. Hein. Dans le doute, je les fume. Ça va être un gros rat, le dernier boss. Mousse des cavernes cristallines. Mousse des cavernes cristallines. Mousse des cavernes cristallines. Il avait une épée de fou, lui. Il était trop stylé, son épée. Wesh. Il y en a un autre. Les bâtards. C'est les mobs qu'il y a dans l'académie, ça. Ça fait trop mal, en fait. Wouah, sa mère. Péter en deux les mobs, hein. Ok, 133 runes, hein, le mob tué quand même. Insecte probable, menteur droit devant. Quoi?
Tout d'abord derrière. Ça marche. Clé droit devant, ça marche. Pas d'ennemis en vue. Menteur. Menteur. Je lock. Je lock des cibles. Manque cruel de clé. Clé lame de pierre. Oh, très bien ça. Exceptionnel. Menteur droit devant. Essayez combat à distance. Kenny mort là, non ? Comment je change les munitions ? Te dérange pas peut-être. Bon bah on te dérange pas peut-être. Tu fais tout péter toi. Tu fais tout péter en fait. 57 morts. Oui c'est bon je joute. C'est bon c'est bon. Crie pas dessus. Bon alors. Je skip là. Je skip tout. Hein. Et effectivement, on va arriver là. Oh le bâtard. Pas mal. Ça s'est très bien passé. Ok. FF. Et pourquoi lui il a l'air plus HL, genre il a pris moins de dégâts. Deuxième potion. À droite. Non, de l'autre côté, derrière moi. Là je suis à l'endroit de la clé. On va par ici. Juste ici. 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 Juste ici. Ok. Là. Là. Ici. Où il a ça sur la tête lui? C'est un malade ou quoi? Ok. Secured. Secured. Secured runes.
Ah bah d'accord. Et dans Wanted là aussi. Oh putain. Sans âme, hein. 400 runes le man. Tout de même, hein. Pas bien cher payé. T'es mal à la taille du mob. Oh, dis donc. Oh putain, le bâtard. Comment je m'en occupe de lui? FF? Merde. Non. 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 Oh là là. Arc runique. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Envie de jump. Et le boss, du coup, dire le message. Contendant nécessaire 3 devant. Et donc essayer contendant. Dommage, j'ai pas ça. Ah, c'est perdu. Je n'ai pas de contendant. Ouais, je peux pas. Je lui fais 32 dégâts. Putain, qu'est-ce qu'ils sont stylés encore une fois. Mais du coup, j'ai pas d'arme contondante. Je n'ai pas d'arme contondante. J'en ai même pas une seule. C'est même pas comme si. On va essayer, hein. Bon, le but ça va être de récupérer les âmes histoire de pas les give up, quoi. Merde, c'est où? Je dois aller où déjà? Fusil à coup de fusil à pompe là. Merde, t'es de l'autre côté. Ta race, toi.
c'est à droite au fond. Bon, c'est pas grave pour les âmes. Enfin, les runes. Mais putain. Ok. Moins 2K, je crois, ça fait. Hein. Je crois que c'est un beau moins 2K qu'on a pris là. Les gens, ils ont des stuff de fou. Moi, je suis toujours en mon stuff de base. Hein. J'ai l'impression que je joue pas au jeu. C'est le cap des 60 morts. Je sais pas si j'y retourne. Hein. Franchement, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Je pense que je me barre et que je reviens avec une arme contondante. Je leur fais pas assez de damage, j'ai la flemme. J'ai la big flemme. Je continue d'aller dans ce sens-là, du coup. Putain, il y a un feu, là. Il vise quoi comme build? Bon, ça c'est de la question vraiment. Pour une première run, c'est quand même une question de fou ça. Question de zinzin. Je continue d'aller dans le sens du truc. Donc là il y avait plein de mobs mais je crois que j'ai tout ramassé. Putain, l'épée du mec là que j'ai vu quand l'épée du cadavre là. Elle tuait sa mère. Il avait trop de flow. Il avait une épée en mode l'épée de Cloud. L'épée Chocobo. Tiens, il y a encore un truc à choper. C'est qui ça hein? Oh le bâtard. Je le déteste d'avance. FF. Dommage. J'aurais pu me heal mais j'ai décidé de taper. Il y a peut-être eu un truc là en face, je vois un grand bâtiment là, il y a peut-être moyen d'y accéder, non? Je sais pas, on va voir. En fait le problème là c'est que je suis en train de tomber sous le nombre d'infos, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses à faire et que je sais pas où aller. Il y a trop de choses, trop de points d'intérêt. C'est un petit peu compliqué. On va dire.
Chercher trois bêtes érudites. Ouais, mais il pue sa mère, ces mobs, non? Ah, quand même! Ils ont des HP pour des mobs qui me donnent 10 runes là. Ah non, mais ils ressortent en plus! Ouais, vas-y, c'est bon. Next. Les trois bêtes érudites, c'est l'ours et tout, je pense. Ok, donc là il y a. Oui, oui, bon, d'accord. Fragment de ruine. Il y a un château là-bas, cela dit. On pourrait aller au château, hein. Je vais aller au château. On va voir ce que ça fait. On va voir ce qui s'y trouve. On va bien voir ce qui s'y trouve. C'est quand même un jeu de fou Elden Ring. Hein. Mais on s'y perd. En fait, j'ai l'impression que. Genre, il peut y avoir une petite porte dans laquelle il y a un coffre de fou et je rate une dinguerie, genre. Ok, c'était là. C'est quoi ça? Bonjour. Well, look at you. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished. What brings you here? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. Okay. An old codger who refuses to retire his rusty hand. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old, but still ancient. Il est trop gentil, c'est incroyable. Acheté. Ouh, on peut lui acheter des pierres de forge sombre. Ok, donc ça c'est des armes normales. 700 balles et 6 pierres de forge 1. On l'a passé à plus 3. Oh, watch out there. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, tarnished. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Brave tarnished. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor lies not far beyond this point. When the Rhea Lucaria Academy turned on the Carians, the Knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard. But their strength had not waned, and they repelled the Knights' onslaught by conjuring an enchanted snare that remains potent to this day. That is why I say, tarnished, don't go near the manor. Putain, c'est vraiment trop de la bombe. Les dialogues, c'est toujours trop de la bombe, j'aime trop. À propos de l'avertissement.
of the enchanted snare that remains at the Royal Carrion Manor. Whatever you do, brave Tarnished, stay away from that death trap. Ok. J'aime bien qu'ils te donnent pas trop d'infos, les personnages te gueulent pas dessus. Ça rend trop cool. Ça rend très très bien. Mais du coup là effectivement, bah c'est là-bas qu'il faut que j'aille dans la tête. Dangereuse là par ici. À couvert. Aïe. Ok. Toujours par là, d'accord. Mais j'ai pas trouvé... J'ai pas du tout trouvé les manoirs de Caria. Est-ce que je suis là ? Oh! Wesh! Ah! Wow. Oh, les mobs de fou! Les mobs de fou! Bon, une mort de plus. 61 du coup. Oh, mais ils sont trop stylés les mobs, hein! Vraiment! Hein. J'ai vu la petite, je me suis dit, oh ça va. Alors, je sais pas trop comment les tuer. En tout cas, sans invocation, ça a l'air chiant. Je l'avais pas tué, je l'avais juste tagger, ok. Ok. Bon, elle me terrifie un peu ses mains, je vais les skip parce que avoir les deux sur la gueule comme ça alors que je fais si peu de dégâts. Ah. J'ai pas le droit ici, ok. Merde, mais il est bête ce joueur. Hein. Une main, c'est plus gérable déjà. Ok, donc quand il fait ça... Oh putain, c'est difficile les patterns des mains. Putain, quelle erreur. Bah ouais. Thank you.
Je pense que ça s'apprend, tu vois, doit y avoir. Mais bon, quand ils sont deux, des fois, si c'est désynchronisé, t'es baisé, tu peux rien faire. Hein. C'est un cauchemar. Putain, c'est 27 la petite main, j'ai le seum. J'ai vu maintenant la main, donc je sais. Oh putain. Il y a quand même une main à péter là. Stagger assez facilement par contre, effectivement. Bah. Bah. 425 la main. Waouh, il y a du farming de... Tu montes en dégâts, tu... Waouh, des pierres de forge sombre. Ah ouais, mais je suis... J'ai step up, là, en termes de danger, là. Ouais, j'ai rien à foutre là, moi. J'ai le sentiment que j'ai skippé un truc, là. Et que j'ai rien à foutre là, la dingue. Dame Rani, nous avons attendu si longtemps, puisque votre maison promptement renaître de ses cendres. Et que la pleine lune éclaire tout Caria. Dans le doute, j'ai tout pété. Ah merde, ça a éteint la lumière. Hop! Hop, mes petits viewers, regardez comment je pense à vous. Mes petits loups, mes petits éclairs. Regardez! Hop, on y voit bien. C'est magnifique, non? De rien, la team. Fouiller le cadavre. Pierre de forge 4. Bon, où suis-je? Eh bien, oui. J'en suis à oui. Attention spectre, donc d'eau nécessaire droit devant. Aïe, d'eau nécessaire. Ça veut rien dire. Il a tout inventé là. 124. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Bah dis donc, je vais faire que dire ça moi. Je vais régénérer. Ah ouais, il fait... Est-ce que je régène ou est-ce que j'avance? Bon, je pense que j'avance, comme ça. Là, de toute façon, le feu, il est juste derrière moi, donc je suis pas très loin. Casque de ra... Oh! Stylé! Non, charge lourde. Vas-y, ça me casse les couilles. Oh, il dit donc qu'il y en a des endroits là. Du coup, ça va être full spectre partout, là. Mais attends, mais c'est des plus 120, par contre, chaque mob. Hein. Et ils sont pas très durs à tuer, en plus, hein. Descendre. Quelque chose d'incroyable droit devant. Objet droit devant. Quelque chose d'incroyable. Ok. Ok.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le deuxième que j'ai à l'utilisation. Rune majeure équipée d'une rune. Bénédiction d'une rune majeure équipée. Rune. Alors là. Équipée. Hey, reviens. Une rune majeure équipée. Ah, j'ai compris. Ok. Ça avait la gueule de trucs qui me permettent de récupérer des runes, mais... Non, 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 non! Tu fais pas ça, toi. Non! Oh, le salaud! J'y vois rien. J'y vois rien. Wesh. Oh, c'est vide. Adieu. C'est vide, hein. Vide, 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 vide. Je suis mort. Non, je suis mort. No troll, je pense. Ouais, je pensais que ça allait un peu le trigger et qu'il allait revenir en arrière, mais non. Ok. Bon, j'avais 2500 âmes, c'est toujours ça de prix. On revient au site de grâce et on recommence. Un mini backseat autorisé sur ta charge d'objet? Vas-y, dis toujours. Vas-y. Je sais que ça vous gratte. Vous voulez tout m'expliquer sur le jeu. Mais je suis mort là. Oh. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je suis revenu au début. Et donc du coup, en fait, il n'y a rien à trouver ici. J'ai l'impression. Hein ? Mais qu'est-ce que... Et il va me dire de sauter, c'est ça ? Quelque chose d'incroyable droit devant. Wesh, 25. Merci beau gosse.
Alvortan, merci champion, c'est gentil. Oh putain la sauce. Merci beaucoup mec. Et bienvenue à tous les nouveaux éclairs. Soyez les bienvenus. Accueillez-les comme il se doit dans le chat s'il vous plaît. Les 25 nouveaux. Incroyable. Dinguerie. Oh non. Oui, ça, ça m'est déjà arrivé tout à l'heure. Magnifique. Ouais. Non. Non. Ah, on casse les couilles. Faut que j'aille chercher encore le truc là maintenant, faut que j'y retourne. Bon ok, ça va, j'ai capté par où je dois passer à peu près, c'est bon, j'ai l'idée. Les deux arrivent. Allez hop, stagger. 1, 2, mort. Il va lancer ça, les whip. 2, il est mort. Voilà, on ramasse. La pierre de forge, c'est ramassé. Stagger. 1, 2. Dommage. Stagger. Non, j'aurais peut-être utilisé le timing de stagger. Carreau seigneurial. Ok. Et donc en gros, je tournais alors qu'en fait il fallait aller tout droit. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait comme erreur tout à l'heure. En fait c'est là qu'il faut aller. Voilà. Là je lui charge un gros coup. Même le tuer comme ça c'est bon. Prendre objet, carreau seigneurial, on est bon. Derrière moi. Wesh. Ah 68. Oh, j'ai compris, j'étais à 67, je suis à 68. Putain, il y a deux mobs encore derrière qui ont pop. Oh. C'est pas facile, hein. Là, c'est pas facile, j'avoue. J'avoue, c'est pas facile. Ok, bon, les premiers, on les a. Il faut juste... bien one-shot lui. D'ailleurs, même si j'ai pas envie de péter un plomb... Ah, je peux pas le... Ok, bon. On va péter un pont apparemment. Mort. Là, du coup, je vais à droite. Je vais péter mon crâne. Ok, bon, heureusement, il se stagger en un coup systématiquement. Ça, c'est quand même bien, ça. Là ensuite on va tout droit. Ça c'est les couteaux qui font les trucs. Alors je viens de voir un couteau au sol là, je vais regarder. Ouais c'est ça. Donc ça c'est un spell évidemment, ok. Ensuite, je sais que voilà mes trucs sont là-bas. Donc là en gros, je vais tuer le premier mob. On va le spammer. Voilà. Il y a personne derrière moi. Ensuite ça va pop devant puis derrière. C'est bon, ça va bien dodge. Pas sur le côté. Ensuite là faut que je lui rush dedans. On s'en bat les couilles. Oh
Faut courir. Faut heal. Ah ah, ça recommence. Ah non, je les ai mis encore plus loin, donc je vais devoir gagner le combat maintenant. Ou alors je cours, je vais derrière et je m'en bats les reins. Qu'est-ce qu'il est agaçant en ce moment. D'accord. Ça marche. Ok, donc il faut... Putain, mais ça me dit que j'en ai qu'une de pierre de forge. Parce qu'en fait, ça garde pas les items que j'ai déjà. Très bien. Très très bien. Excellent. Ça garde pas les items que j'ai ? Ça dit juste la quantité lootée à l'instant. Ah ok. Ok, bon. 1. Big charge. Stagger. 1. 2. C'est bon. Ensuite, ça va pop devant. Dès que ça pop devant, on attend ici, il va pop. Boum. Voilà. Il a retiré, on esquive. Là ensuite, je vais courir. Oh le bâtard. Ok, et on va les jouer les uns après les autres. Voilà, c'est tout. FF. Faut que j'aille de l'autre côté. Faut que j'aille de l'autre côté, vous savez pourquoi faut que j'aille de l'autre côté? Parce que c'est comme dans les châteaux forts à l'époque. Aïe. Il faut quand je tape à droite, faut pas que j'ai le mur à droite. Est-ce qu'ils veulent bien venir par là? Attends, j'ai pas envie de les go dans l'open. Ok, on va commencer par ça. D'ailleurs, on tue. Il y en a un qui arrive à gauche, je crois. Non, toujours pas. Ensuite. Non! J'étais persuadé qu'il ne me toucherait pas car il y avait un mur. Sauf qu'effectivement, ce n'est valable que pour toi. Car les mobs, eux, peuvent taper au travers des murs. Ce sont des spectres, des ectoplasmes, pour être plus exact. Le grid. Ah non, c'était pas du grid. J'étais persuadé qu'il ne pouvait pas taper parce qu'il allait smash son épée contre le mur. Sauf que, encore une fois, je ne suis qu'un homme et ce sont des spectres, malheureusement. Unlucky. Non mais... Et fut ma vie. La folie. Faut que j'essaie de récupérer les âmes, ce serait quand même pas mal, mais bon là elles sont un peu loin quoi. Je me vois mal... Je me vois mal gagner. Le problème c'est que. Attends, on peut peut-être. Y aller étape par étape. Le problème c'est que là je suis droit, je vais prendre la flèche, à moins que. On attend un peu, je me demande si ça va pop. Peut-être en avançant un petit peu. On va avancer jusque là. Et ça va pop du coup derrière. Oh, le trigger il est plus loin. Oh les salauds. Ils sont là. FF, je vais perdre mes âmes. Oh là là, oh là là, roule. Roule avec le produit. Ok, et maintenant, on va se finir les deux derniers, easy.
pas grave, je tank. Je face tank. Nice. Superbe. Épée droite, seigneuriale. Hein. C'est la même que moi ? Espadon, seigneurial. Ok, ça a fait respawn un mob encore derrière moi. Zouip. FF. C'est bon. Il est mort. Je suis le roi de ce monde. Un message. Ah, y'a pas de message qui dit essayez gauche. Au 7. Poticide de grâce. Mais attendez! Ah non, je suis pas là où j'imaginais. Mais non. Oh, une graine! Attendez, je vais prendre la graine et je remonte. Toujours pas le droit au cheval, hein. Hop là! Et bien à moi celle-ci. Hop là! Bien à vous, mes chers. Chiens. Ce sont des chiens. Et là, imagine, fiole sacrée, ajouter une dose. On s'est mis une dose de plus, là. On se met une petite dose. Montée de niveau, peut-être. Peut-être une petite montée de niveau. Et là, maintenant, quand tout à coup... Et oui, et c'est ce que tu disais. Du coup, là, je suis toujours en charge moyenne. Wow, le flow de fou. Flow est incroyable. Waouh, regardez ça. Ah par contre je suis en slip. C'est genre le mec, le chevalier en string. C'est moi. C'est moi le chevalier en string. Splendide ça. Et là à la place on peut mettre la grande hache si on veut. Wow, quand même. C'est littéralement ça. Kenny String lui-même. C'est là qu'on gère les cendres. Je comprends rien. Par exemple, si je mets ça, ça fait quoi? C'est pas la grande hache, ça? Merde, c'est même pas la grande hache, mais attendez, on est en... What? Incroyable! Mais c'est ma nouvelle main weapon ça hein. C'est ma main hein. C'est ma main les gars. Ok, faut que je la teste. Faut que je la teste en vif là sur un chien.
fait pas tant de dégâts que ça, j'ai l'impression. Ah mais putain d'accord, le coup je sais pas si ça fait tant de dégâts que ça. En fait le problème... Ouais après le problème c'est qu'elle est pas level up cette hache quoi. Je m'attendais à plus de dégâts. Bah après on peut faire le comparatif. Moi, elle est upgrade quoi celle-ci, c'est ça la différence surtout. Mais tu vois là l'avantage c'est que... Paf! Tu as 310. 310 à l'open, mais regardez en fait ça fait... Ah ouais les gars, classique. Bon alors attendez, je vais retourner à la... L'église des laits. Des laits. Attends, peut-être il y avait un autre forgeron là, j'ai envie de demander au grand monsieur. Au maître forgeron, je vais lui demander. T'as de quoi up la hache ? Bah si, je vais la faire là, justement, je vais l'upgrade un peu. Salut IJ ! Well, then I presume these are... Renforcer une arme. Celle-ci, mesdames et messieurs. Alors j'ai combien de... J'en ai 9, donc 2. Puis 4. 168, tu vois. Ouais, elle fait déjà plus de dégâts. En fait, elle fait déjà plus de dégâts. Le problème, c'est que c'est une arme qui scale et sur ma force et sur ma dextérité. Ça pète un peu les couilles. Pour être franc, ça pète un peu les couilles. Mais elle a un meilleur scaling. Pas de crit. Non, par contre, là... Wow! Et maintenant, on peut retester. On peut retester, par exemple, regardez ce qu'on peut faire. On peut faire ça. Regardez. On va aller à gauche, parce que comme ça, ça va me permettre de tester les dégâts sur les spectres que j'avais déjà joué juste avant. Elle est en plus 2, là, maintenant. T'es en charge lourde. Comment ça se fait? J'enlève mon slip. J'enlève mon slip, les gars. J'ai enlevé mon slip. Bon bref, regardez. Je vous montre. Bon, elle fait des dommages hein, quand même, on va pas se plaindre. Hein. Tunique du coucou. Ah, par contre, ça tape vite, hein. Putain, il est plein de choses. Non, mais qu'est-ce qui branle? Jamais joué au jeu ou quoi? Aïe. Oui. Ouais, elle fait mal. Elle fait très mal parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises. Ah non, elles sont toutes les deux en plus 2. Elle fait un poil plus de dégâts. Et par contre, il faut que je comprenne les cendres de base. Cri barbare. C'est vrai que j'ai pas testé. Le pattern est plus cool. Ouais, je préfère aussi. Et Alors en fait, hop, ça va faire spawn les mobs quand je reviens, c'est ça? Ça marche. Je suis fort en vrai. Très très fort. Oh, ça me permet de faire tellement plus de dégâts par contre. C'est clean. Mes amis, moi, je vais vous laisser ici car je vais aller à Popcorn, qui est à Montpellier. Je n'ai pas envie d'être en retard. Et la hache, elle a du flow, ça me plaît. Moi, ça me plaît de jouer comme ça. Je trouve ça cool. On se retrouve demain pour la suite d'Elden Ring. Qu'est-ce que je fous là, moi? Et bah c'est normal parce que le feu, il est là. Je suis bête. Et donc du coup, bah, on se dit à demain. Ça fait quoi le cri de barbare? Bah, je suppose que ça augmente mes dégâts. Voilà, tout simplement. Incroyable. Merci à vous de suivre cette aventure Elden Ring. On continue ça demain en boule, bien sûr. Alors, oui, je mets les morts d'ailleurs, pardon. Je mets les morts 70, effectivement. Je voulais juste dire un truc. Oui, j'aurais pas terminé Elden Ring pour la sortie du DLC. Mais on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que je prends mon pied, en fait, à découvrir le jeu. Donc je vais le découvrir à mon rythme, le finir quand je dois le finir, et je ferai le DLC dans la foulée. Comme ça au moins,
Ça vous laisse le temps, vous, de faire le DLC de votre côté, de récupérer en VOD ou le live comme vous voulez, voilà, vous faites votre truc de votre côté. Et après, du coup, de votre expérience de DLC, ce sera plus sympa à regarder parce que je vais rien vous spoil. Ou ça se trouve, je vais vous aller dans des endroits où vous n'êtes pas allé, vous allez être en mode « Ah putain, il est allé là, je savais pas et tout. » Et bref, du coup, vous serez pas détruit en fait par mon expérience parce que je vais rien vous spoil. Et moi, je vais être nul, donc vous pourrez vous moquer de moi parce que j'arrive pas à faire des boss, etc., etc. Donc ce sera une expérience live très cool, je pense. Faudra juste pas allumer Twitch sur les deux prochaines semaines. Moi, j'ai pas besoin d'allumer Twitch, les gars. J'allume mon live à moi. Donc moi, c'est bon, c'est bon. Donc quoi qu'il arrive, on se retrouve demain pour la suite de l'aventure Elden Ring. Des bisous pour la VOD, bien sûr. On embrasse la VOD, on leur fait des bisous. Hein. Bisous à vous. Et en ce qui concerne nous, on se dit à demain pour la prochaine prochaine session de Elden Ring demain. Désolé de couper un petit peu tôt l'équipe. Passez une bonne soirée. Au 7 tout le monde, au 7 les éclairs, merci encore pour les subs. D'ailleurs, ça n'a pas été actualisé le nombre de subs. Je pense que Alvortan avec ses 25 subs, 1699 plus 25, 2800 subs normalement là. Merde. J'étais presque. Putain, chier. Allez, bisous.